Après le centre Songhai, les présidents Boni Yayi et Ernest Bai Koroma se sont rendus au port autonome de Cotonou, un autre domaine dans lequel la Sierra Leone veut tirer leçon des progrès réalisés par le Bénin. Car des progrès, il y en a eu, surtout avec le programme Millennium Challenge Account et la détermination du chef de l'État. Construit en 1964, le port de Cotonou avait une capacité de trafic de l'ordre de 2 millions de tonnes. Aujourd'hui, cette capacité est portée à plus de 8 millions de tonnes. Le port est aussi capable à ce jour d'accueillir des navires nouvelle génération qui ont des tirants d'eau de plus de 13 mètres. Nous avons également le système d'entrée, de séjour et de sortie des camions. Ça, c'est vraiment réglementé depuis 2012 quand le chef de l'État a instruit pour faire une opération de cleaning dans le port. Avant ces procédures, nous étions en moyenne à 500 camions par semaine qui rentraient. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à une moyenne de 1000 véhicules par jour. Donc de 500 la semaine, nous sommes passés à environ 1000 par jour. Et cela, ce qui a contribué fortement à cela, c'est l'organisation mise en place par le guichet unique portuaire. Et c'est un système qui permet d'agir, de traiter les opérations portuaires en ligne sans le contact physique. Ce guichet unique est un mécanisme qui a vraiment fluidifier les opérations et donc pas de contact avec la douane, pas de contact avec les autorités portuaires, pas de contact avec, c'est juste les opérations qui se mènent. Les performances du port ont été saluées en 2013 par l'Association mondiale des ports qui a décerné au Bénin le prix d'or. La transformation subie par le port de Cotonou depuis quelques années a retenu l'attention du président de la Sierra Leone. Our port to Quand on tient compte de d'où vous êtes parti, où vous êtes aujourd'hui et quelles sont les projections que vous avez, vraiment c'est impressionnant. Alors nous avons un grand potentiel dans notre pays également à faire pareil comme vous. Nous avons naturellement un port naturel que nous allons chercher à transformer pour vous imitant. Nous avons pratiquement les mêmes entrepreneurs, Bolloré et consorts. Et je crois que nous devons maintenant tout mettre en œuvre pour faire de notre port un point international de transvasement. Ça, c'est important. L'autre leçon que j'ai apprise, c'est surtout votre capacité à éviter les contacts personnels, les contacts physiques, à opérer à distance. Ça, c'est important parce que ça nous fait gagner du temps. Ça rend le système plus efficace et plus transparent. Donc, je crois que c'est un point que je vais examiner particulièrement lorsque je vais repartir chez moi pour voir comment vous imitez à ce niveau-là.